parler de cette question qui est centrée sur les innovations éditoriales dans l'espace francophone. Très vaste sujet. J'ai remarqué au passage d'ailleurs que l'espace francophone, c'est pas seulement les pays qui ne sont pas la France, mais c'est l'ensemble. Donc on aurait pu élargir à la France elle-même, mais la France est à part et discute de ces problèmes dans de très nombreux ateliers. Alors on a singularisé les espaces francophones, en particulier ici. Et on m'a demandé d'animer cet atelier au nom de l'Union de la presse francophone, qui est une organisation que certains connaissent dans cette salle. Je reconnais quelques complices de l'organisation. Mais c'est une organisation qui sévit, si je veux ainsi m'exprimer, dans une soixantaine de pays même, et avec des sections locales, dont les objectifs sont assez souvent, au fond, assez proches de d'autres organisations de journalistes, par exemple la défense de la liberté de la presse, la question des pratiques déontologiques, toutes les questions qui se posent aux médias dans leur grande diversité, mais dans des conditions qui sont parfois, pour ne pas dire toujours, dans l'espace francophone, parfois difficiles à assumer. C'est-à-dire que les questions de liberté de la presse en particulier, au sens large d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que les questions de liberté de la presse, elles se posent à la fois du point de vue de la liberté elle-même, mais elles se posent aussi du point de vue des moyens qui peuvent être donnés pour informer dans de bonnes conditions aux différents médias. Voilà. Donc cette organisation qui compte, je l'ai dit, une soixantaine de sections, est centrée autour de ces questions-là. Elle agit d'ailleurs souvent avec d'autres organismes un peu plus spécialisés, comme Reporters sans frontières, sur la question de la presse, et d'autres organisations locales. J'en dirai pas plus sur l'UPF, mais on va passer au vif du sujet. Alors, pour en parler de ce sujet, j'ai avec moi d'abord Moussa Manga. Moussa Manga, qui est le fondateur et le directeur d'Agri Business, qui au départ était un organisme du Burkina Faso et qui maintenant étend un peu son influence dans l'ensemble de l'Afrique. Et pas seulement francophone d'ailleurs, me disais-tu tout à l'heure. On va regarder à quoi ça correspond, en quoi est-ce que c'est nouveau, au fond, sur le type éditorial, quels sont les défis qui sont posés à une telle télévision sur le monde. Et puis, j'ai avec moi également Mabrouka Khedir. On dit Khedir ? Khedir. J'essaye, hein, donc. C'est difficile à prononcer en arabe. Qui est fondatrice de Cosmos. Alors, Cosmos, c'est une organisation tunisienne qui est centrée sur les questions de l'environnement en général et qui, sur le web, avec un certain nombre d'interrogations que nous verrons peut-être tout à l'heure, notamment sur sa diffusion et sur son financement, qui on s'adresse, comment est-ce qu'on fait face à l'ensemble des problèmes d'équilibre, au fond, pour un média nouveau dans un pays qui a des caractéristiques particulières, hein, dans ce qui a suivi ce qu'on a appelé la révolution tunisienne, et tout ce que ça nous porte aujourd'hui. On va voir ça dans un instant. Et puis Émilie Sfeur, qui est la directrice du développement numérique de L'Orient le Jour. Alors, je n'aurai pas l'impolitesse de dire ici ce qu'est L'Orient le Jour, mais ça représente au sein des médias français, c'est un très grand média connu, ancien, qui va d'ailleurs fêter ses 100 ans dans et qui continue à se développer dans des conditions que vous imaginez sans doute très difficiles, puisqu'il y a une diaspora libanaise très importante, qui est partie encore récemment du pays, que l'infrastructure économique du pays est réduite à pas grand-chose, et que la question de la vente d'un support papier dans un pays dans ces conditions-là est une question qui est très difficile à résoudre, pour ne pas dire impossible, c'est la quadrature du cercle. Elle est passée, même. Et donc, comment faire, comment réagir, comment se développer, sont toutes ces questions que nous allons aborder. Alors, je le disais tout à l'heure, chacun va prendre la parole pas très longtemps. J'ai donc exercé le pouvoir d'animation pour censurer un tout petit peu Mabrouka, qui j'espère ne m'en voudra pas, de telle façon que nous puissions avoir des interventions liminaires courtes et que ensuite nous puissions échanger tous ensemble sur ces questions.
Je voudrais d'abord te donner la parole, si tu veux bien, Nioussa, pour nous dire alors depuis combien de temps, d'abord, AgriTV, d'abord, qu'est-ce que c'est, pourquoi AgriTV, pourquoi, à qui vous vous adressez dans un pays, dans des pays où l'agriculteur est en moyenne plus de 50 ans, et où par conséquent la question se pose d'informer, au fond, des jeunes générations autour des questions agricoles, dans quelles conditions, avec quels moyens, enfin, comment ça se passe. Merci beaucoup, Jean. Bonjour tout le monde. Alors, AgriBusiness TV, c'est une web télé qu'on a lancée en 2016 qui utilise la vidéo comme un outil de revalorisation des métiers d'agriculture aux yeux de la jeunesse africaine. On parle surtout de la partie au sud du Sahara. Un choix éditorial qui s'explique par qui s'est imposé par peut-être plusieurs facteurs. On est, comme Jean vient de le dire, dans des pays où l'âge moyen des agriculteurs dépasse 50 ans, sur un continent qui est dit être le plus jeune de la planète, donc plus de 70% de la population âgée de moins de 30 ans. Ce qui veut dire, si on veut schématiser, dans des pays où les économies dépendent donc de ce secteur, on a une minorité de personnes âgées qui produisent donc pour nourrir une majorité de jeunes qui sont pourtant confrontés à des niveaux de chômage sans précédent. Et pour nous, il était question de montrer tout ce qu'il y a comme opportunité dans ce secteur qui regorge effectivement beaucoup d'opportunités pour la jeunesse et aussi l'intérêt de travailler à amener cette une nouvelle génération d'agriculteurs à prendre le relais donc d'une génération d'agriculteurs vieillissante. Et donc, en partant de ces constats, on se rend compte, et on le vit tous d'ailleurs, parce que depuis l'école, on est dans des contextes où l'agriculture est beaucoup plus considérée comme une activité par défaut. Parce que ce n'est pas un métier structuré comme le seraient les autres enseignants ou infirmiers. On a une génération, si on remonte à quelques décennies, tout le monde était par défaut agriculteur, en plus d'être autre chose. Et donc ce qui fait qu'il y a cette image négative du secteur qui est restée collée. Et même moi, ma génération, je ne suis pas aussi vieux que ça. J'ai 37 ans, mais je m'appelle tout petit depuis l'école primaire. La motivation pour amener un enfant à être assidu à l'école, c'était de dire, si tu ne travailles pas bien à l'école, on va t'amener au champ. On a tous grandi en se disant qu'il faut que je réussisse à l'école pour ne pas finir agriculteur. Finir agriculteur, c'est un groupe. J'ai échoué ma vie. Ça, c'est un ensemble de choses qui ont contribué justement à créer cette image négative du secteur agricole. Et qui fait que retourner à la terre, c'est un peu comme un aveu d'échec. Je n'ai pas réussi à avoir mieux, donc je repars donc au travail de la terre. Il fallait inverser les choses pour mieux, donc il fallait montrer que aujourd'hui l'agriculture c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup mieux que ça, et qu'effectivement il y avait beaucoup d'autres choses à faire pour tirer profit des opportunités qu'il y avait dans le secteur. Et en même temps, on s'est rendu compte aussi que on est dans un contexte qui a beaucoup évolué, où les jeunes n'ont plus forcément les mêmes ambitions que les générations précédentes. Avant, comme je l'ai dit, c'était un métier par deux. On produisait d'abord pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus, ce n'est plus l'ambition première. On ne travaille pas pour subvenir uniquement ou en priorité à ses besoins alimentaires, mais on travaille pour se réaliser de façon économique, on rêve de belles maisons, on rêve de grosses voitures, on rêve de grosses motos, on rêve de voyager. Et pour cela, ça orientait beaucoup plus vers une fonction, j'allais dire, économique, une agriculture beaucoup plus orientée sur le marché. Et amener justement la nouvelle génération donc à s'intéresser à ces questions, c'était de montrer aussi que c'est possible de réussir justement cette ambition-là en s'investissant dans ce métier. Et ce que nous faisons, c'est justement d'identifier des modèles en partage de ceux qui commencent avec des moyens, j'allais dire, assez modestes et qui arrivent à introduire des innovations et créer de la richesse pour eux-mêmes et pour leur famille dans le secteur agricole. En se disant que montrer ces modèles,
Le premier objectif, c'est d'abord rendre service à ces jeunes qui sont vus, reconnus par leurs efforts. Et ensuite, c'est de montrer aussi à tous que, effectivement, finalement, l'image qu'on a de cette agriculture doit évoluer. Ce n'est plus vraiment ça. Elle est aussi productive, elle est aussi utile que n'importe quel autre secteur économique donc, de la vie. L'ambition n'est pas à terme d'amener, en tout cas, la plus grande masse de la jeunesse à s'investir dans le secteur agricole, mais au moins que tout le monde, qu'il y ait une majorité donc, de la population qui change de regard sur le secteur. C'est-à-dire que si ce regard évolue, ceux qui sont intéressés à se lancer aussi seront plus confortables à s'y investir parce qu'il y a une image beaucoup plus positive du métier qui est désormais à vivre. Voilà un peu ce qui nous a motivés à lancer ce média depuis 2016. Alors, si tu permets une question, au fond, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir intéresser les jeunes à ce domaine agricole, avec tout ce qu'il y a de nouveau et de nécessaire, au fond, aussi pour tous les pays en Afrique, pour tous les jeunes. Mais comment faire en sorte que ce média nouveau qu'est la télévision sur Internet attire le public auquel vous vous adressez? Et comment est-ce qu'ils vont venir vous voir? Est-ce qu'il y a, au fond, est-ce qu'il y a un appât particulier, idéologique, intellectuel, un intéressement? Je ne sais pas comment vous pouvez concevoir. Ils ne vont pas venir de façon spontanée, les jeunes, vous suivre. On est justement allé là où ils sont, parce qu'on est dans des pays où, si on regarde, la connexion mobile est la plus accessible. On est aussi dans des situations où on a, pour certaines formules, qui permettent des accès gratuits à Internet à travers une version de Facebook qui s'appelle Facebook Live, où on peut se connecter gratuitement, même sans données. Pareil pour WhatsApp. Donc, il y a des... Et essentiellement, c'est une catégorie de personnes qui s'informent et qui communiquent à travers ces outils dans les réseaux sociaux. Et nous sommes allés justement les chercher à travers cela, en proposant aussi des formats qui croisent beaucoup plus leur intérêt. Parce que ce qu'ils veulent voir, c'est souvent des modèles qui marchent, c'est souvent des innovations, ce qui n'est pas courant. Qui change un peu du quotidien. Et c'est aussi les histoires, nous les racontons bon, à travers donc, les équipes des journalistes, mais quand on regarde finalement le format, le journaliste se met pratiquement en retrait. Le format qui marche le plus, c'est ce qu'on appelle les motoportraits, où on amène le jeune agriculteur, le jeune entrepreneur à raconter lui-même son histoire devant la caméra. Donc quand on regarde le produit fini, et ça marche tellement bien que quand on regarde souvent les commentaires, les gens pensent parler directement à l'entrepreneur qui s'est filmé tout seul. Et ça, c'est des modèles qu'on essaie de développer à travers ces histoires. En fin de compte, oui, c'est des histoires de vie que nous racontons. C'est des parcours de vie que nous racontons à travers les motivations, les débuts, les difficultés et tout ce qu'il y a aussi autour donc parce que le but n'est pas de dire que ça marche et de montrer des succès, mais le but c'est de montrer des bouts de parcours avec les difficultés mais aussi avec l'engagement, la motivation qui maintient justement la personne sur ce chemin. Merci beaucoup pour une première intervention. Bien sûr, ça soulève toute une série de questions, notamment la question d'équilibre économique par exemple, hein, comment est-ce que vous pouvez vivre. Et au fond, est-ce que vous avez une mesure d'audience? Parce qu'il ne suffit pas de dire et répondre au fond en croyant avoir affaire à une personne. Mais qu'est-ce que ça signifie en termes de pays dans son ensemble? Comment est-ce qu'on peut attirer ou pas les gens à s'intéresser à l'agriculture de façon plus concrète? Mais je voudrais peut-être, puis c'est un peu lié d'ailleurs, hein, d'une certaine façon, ben, qu'est-ce qui n'est pas lié à la question de l'environnement, mais je voudrais me tourner maintenant. Vers la Tunisie, avec Mabrouka Khedir, je le dis bien cette fois, qui est toujours la fondatrice de Cosmos, qui consacre sa politique éditoriale aux questions de l'environnement. Alors comment ça se passe? Comment, au fond, créer un média sur le web qui s'intéresse à ces questions dans un pays où, si mes renseignements sont bons quand même, dans le contexte économique d'aujourd'hui,
La question essentielle qui est posée aux Tunisiennes et aux Tunisiens, c'est de savoir comment ils vont faire pour joindre les deux bouts, pour manger même parfois. Situation très difficile sur le plan économique. Et donc, comment est-ce qu'on peut consacrer du temps? Comment est-ce qu'on peut intéresser aux questions d'environnement? Et là aussi, qu'est-ce que c'est ce nouveau média qui est très récent, je crois savoir. Ce nouveau média, comment ça fonctionne et quels équilibres pensez-vous atteindre sur le plan des audiences et sur le plan économique? Merci, John. Je vous dis un secret. John vous a privé de ma présentation qui contient des vidéos qui peuvent vous laisser goûter un peu l'atmosphère à l'intérieur de Cosmos Media, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous transmettre un peu l'ambiance chez Cosmos Media. Je me présente en fait. J'assume le poids de la censure pour essayer de favoriser les échanges, mais j'ajoute quand même qu'il y a possibilité de voir le montage diapo qu'elle voulait nous présenter, qui m'a paru un tout petit peu long, mais sûrement extrêmement intéressant, mais sur une adresse internet qu'elle vous fournira. Oui, de toute façon, on pourra partager avec vous ma présentation qui présente Cosmos Media. Je suis Kotira Mboka, je suis journaliste tunisienne et on vient de lancer effectivement Cosmos Media le 14 février à l'occasion de la journée du Saint-Valentin. Et on a essayé avec ça de ramener les gens à adorer leur nature. Et la nature et la planète, c'est notre intérêt international. Donc Cosmos Media, c'est un média qui s'engage pour informer les gens sur tout ce qui est écologique et environnemental. Et on essaye à travers Cosmos Media de vulgariser l'information environnementale aux citoyens en se basant sur des experts qui font l'analyse de l'information environnementale. Et on travaille sur tout ce qui est journalisme scientifique et journalisme de solutions. Parce qu'on a remarqué en Tunisie qu'il y a pas mal de défis environnementaux. On a beaucoup des problématiques environnementales, la pollution, les changements climatiques. Aujourd'hui, par exemple, on est au mois de mars et on n'a pas vraiment assez de pluie pour irriguer, par exemple, l'agriculture. Et les gens souffrent vraiment du manque de l'eau en Tunisie. Donc, c'est un phénomène qui s'aggrave d'une année à l'autre. Et là, on a remarqué qu'on a besoin de vulgariser l'information et de ramener les gens à une conscience environnementale parce que jusqu'à ce moment-là, les médias en Tunisie ne se sont pas focalisés sur l'information environnementale. Et Cosmos Media était pendant 2 ans une émission hebdomadaire sur une radio privée en Tunisie. Elle s'est transformée en un média sur le web à travers un site web qui s'appelle Cosmos Media et aussi à travers les plateformes digitales. Donc, aussi, on travaille avec une équipe et je félicite mon équipe qui est derrière Cosmos Media et on est plutôt une équipe féminine que masculine. Donc, on travaille sur ça et notre contenu est basé sur tout ce qui est enquête, reportage, article, podcast. Aussi, on travaille sur des enquêtes d'investigation, mais aussi sur les docs web d'environnement parce qu'on croit que l'information environnementale nécessite beaucoup plus d'analyse que les autres spécialités. Donc, on a une émission hebdomadaire qui est diffusée en partenariat avec l'UTMA, l'Union tunisienne des radios associatives. Et donc, on couvre le territoire tunisien à travers une diffusion simultanée avec 6 radios associatives en Tunisie. Bizerte, Tunis la capitale, le Grand Tunis, Medine dans le sud, Tataouine dans le sud, et aussi Bizerte dans le nord. Donc on essaie à travers ces partenariats de vulgariser, de communiquer notre contenu dans notre émission. L'émission a beaucoup de rubriques. Une parmi les rubriques, c'est le débat. Chaque semaine, on débat un thème environnemental. Par exemple, cette semaine, c'était l'eau en relation avec l'agriculture, puisque la majorité de la richesse en eau va à l'agriculture en Tunisie. Et là, il y a les changements climatiques qui restent toujours difficiles à gérer. Il y a aussi une rubrique qui concerne l'agriculture durable et la permaculture. Il y a une rubrique qui concerne aussi l'architecture durable. Mais aussi, il y a une rubrique que j'aurais aimé vous présenter
présenter un peu l'ambiance derrière, c'est Cosmos Kids. Et nous, on travaille sur l'enfance et l'éducation sur l'environnement à travers des petits journalistes, à travers des journalistes qui donnent des news pour le citoyen sur des thématiques environnementales. Et à travers ça, on essaye de travailler sur l'enfance parce qu'on croit que si on veut vraiment répondre aux défis environnementaux, on doit passer par nos enfants. Il y a aussi tout ce qui est Cosmos Événements. Et Cosmos Événements, c'est faire des partenariats avec des organisations qui travaillent sur la question d'environnement. Et aussi, Cosmos Média organise ces événements et organise aussi tout ce qui est débat sur des thématiques d'environnement. Bien sûr, il y a d'autres moyens de vulgariser l'information. C'est aussi travailler sur des documentaires qui traitent des problématiques d'environnement. Et là, on a déjà produit avant. Moi, je suis JRI, journaliste reporter d'image. J'ai toujours travaillé sur l'environnement à travers la télévision Deutsche Welle, où je suis journaliste et je travaille sur des reportages dans un magazine qui s'appelle Eco Africa. Et ce magazine aussi m'a donné aussi la possibilité de travailler beaucoup sur Cosmos Média. J'étais toujours intéressée par l'environnement. Depuis 2016, on a commencé à réfléchir sur Cosmos Média. Mais le rêve a été réalisé le 14 février dernier. Et donc, on a aussi le site web, là où on trouve différentes rubriques. Et aussi, il y a les réseaux sociaux où on peut développer des reportages web qui pourront être vraiment réduits au niveau du temps, mais aussi avec une manière de storytelling qui peut ramener les gens à s'intéresser à notre média. Et il y a aussi une section dédiée au club. Et là, on a installé un club dernièrement à l'IPSI, l'Institut de presse et de sciences de communication. C'était un moyen aussi pour enrichir notre site web, puisqu'on est une équipe réduite et on a besoin aussi de la production d'une information sur le domaine de l'environnement. Donc, on a installé un laboratoire d'idées, une rédaction à l'intérieur de l'IPSI, pour qu'on puisse déjà travailler avec les étudiants pour qu'ils s'orientent vers le journalisme d'environnement, puisqu'on a remarqué que l'intérêt à tout ce qui est journalisme d'environnement est encore minime en Tunisie, en fait. C'est à ce moment-là et les dernières années qu'on a commencé à développer un contenu médiatique. Et on a aussi d'autres clubs dans les écoles, et on a commencé avec les maisons de jeunes. Donc on a installé des clubs Cosmos Kids dans les maisons de jeunes, là où on débat les problématiques environnementales et là où on essaye à chaque fois de faire des actions. Par exemple, on a fait une action de reboisement de l'arbre de Caroubi, qui est un arbre qui s'adapte avec les changements climatiques. Et ces arbres sont vraiment des arbres très anciens dans notre atmosphère agriculture. Donc on a essayé à travers les clubs de faire des actions de reboisement de caroubiers pour qu'on puisse solliciter les gens à s'orienter vers ce type des arbres qui résistent à la sécheresse qui règne aujourd'hui en Tunisie. Et donc vous pouvez nous trouver sur les sites web, le site web cosmosmedia.net, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et voilà, on compte. Et je vous remercie de m'avoir accordé cette occasion d'être présente ici pour présenter notre nouveau média, parce qu'on a toujours besoin de communiquer sur ce média et on a toujours besoin des gens qui partagent avec nous les mêmes ambitions. Et notre slogan, notre terre mérite la vie. Et donc, c'est pour cela que merci pour le fait que je suis là et je partage avec vous cette expérience. C'est une expérience qui a commencé par une initiative individuelle de moi, mais maintenant j'ai toute une communauté à côté qui croit à l'environnement. Pour nous, l'environnement, c'est une cause humaine et c'est pour cela qu'il y a pas mal d'éléments de mon équipe qui sont bénévolats. Mais bien sûr, la durabilité de ce projet demande beaucoup d'efforts pour qu'on puisse résister aussi, parce que c'est la production et la production demande de l'argent, demande du financement. Et là, peut-être on pourra en discuter pour le reste de ce panel.
On pourra en discuter. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire à votre bon père, monsieur et dame, ça ne sera peut-être pas ici, mais il faudra des moyens, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je vois bien que vous avez innové d'une certaine façon, puisque sur les questions de l'environnement, qui n'était pas la priorité des gens au quotidien en Tunisie où vous vous exprimez, peut-être tout à l'heure on reviendra sur cette question en voyant à la fois les équilibres économiques, là aussi, de la même façon pour agribusiness, vous mettez en œuvre, comment vous arrivez à joindre les deux bouts, parce que ce n'est pas si simple, et ensuite, quels sont les publics, au fond, que vous intéressez. Parce que j'ai bien compris que vous aviez une politique qui consistait à la fois à produire de l'émission et en même temps à en assurer la diffusion maximum, on va dire un peu transmédia, hein, avec les radios locales, avec d'autres sites web, avec les maisons dans lesquelles vous atteignez la jeunesse, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement en termes d'influence aujourd'hui et comment assurer ce développement? On y reviendra peut-être plus tard. Je voudrais maintenant me tourner vers Émilie Sueur, qui est directrice du département de l'Orient du Jour, après avoir dirigé la rédaction d'ailleurs du support papier, et dont le support papier dont nous parlions tout à l'heure est aujourd'hui en survie. Pour quelque temps, et comment est-ce que vous voulez, au fond, sur quels critères vous vous appuyez pour assurer la continuité de l'information issue de l'Orient du Jour que vous pensez sur le papier? Alors, il y a deux choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous, comme vous l'avez dit au début, l'année prochaine, on aura 100 ans, donc on a un peu de médias vraiment installés, c'est venu de la grand-mère. Et donc, comparé à vous deux, qui avez des expériences vraiment de médias pure player et récentes, c'est une autre expérience. Après, sur l'innovation, on n'est pas aussi mouvant que vous qui êtes sur des niches, etc., parce qu'on a un média plutôt traditionnel qui couvre un média généraliste, focalisé sur le Liban et le Moyen-Orient, mais généraliste néanmoins. Et on n'est pas non plus le New York Times, parce qu'on n'a pas ces moyens-là, donc on ne peut pas lancer des projets faramineux. On a mis des gens et de l'argent pour ça. En revanche, ce qu'on a, c'est la transformation numérique. En fait, on a lancé il y a bien, bien longtemps. On est passé à... On a créé une rédaction web en 2011. On est passé à un système d'abonnement en ligne quasiment à la même époque, donc on commence à avoir un petit peu de recul là-dessus. Le papier est toujours là. Là, ça devient problématique pour d'autres raisons. Un lectorat qui se rétrécit et un coût financier qui devient absurde, mais pour des raisons économiques qui sont pas les mêmes. Des raisons de symbolique aussi. Oui, alors on le garde aujourd'hui parce qu'on arrive à peu près à équilibrer, puisqu'on trouvera ça quand même. Enfin, c'est important quand on arrive à l'aube de notre centenaire d'avoir toujours ce support qui est presque un objet historique, vous regardez, puis on a encore un lectorat pour le papier, donc c'est important. Et la transition numérique a commencé depuis longtemps pour une raison aussi toute bête, c'est que notre lectorat n'est pas au Liban, il est dehors. C'est essentiellement la diaspora libanaise, et même sur le site est lu à 85% hors du Liban. Donc voilà, le papier c'est très bien, mais ça ne suffira pas à notre survie. Mais là, nous, l'innovation, en fait, maintenant, elle est à un autre endroit. C'est qu'on s'est rendu compte que, enfin, tout le monde le sait, hein, qu'on nage dans un océan d'informations, et c'est pour ça que, notamment vous deux, vous êtes sur un segment de niche, quoi, vous avez raison, mais nous aussi. Mais maintenant, ce qu'on veut faire pour aller plus loin que la niche, c'est vraiment de construire une relation très particulière avec nos lecteurs en général et nos abonnés en particulier, et ce qui veut dire recréer un lien organique. Et pour ça, on s'est rendu compte que tous les outils numériques maintenant à notre disposition, ça va de un téléphone un peu barbare, mais le tagage du site, des segmentations d'audience, de l'analyse data, etc. Derrière tous ces outils qui ne sont pas très réjouissants comme ça en parlant, en fait, on peut faire tout un tas de choses qui recréent de l'humain et qui recrée une relation vraiment forte entre le journal et le lecteur. Et donc maintenant, toute notre innovation numérique, entre guillemets, c'est de sortir d'un espèce de tuyau comme ça, avec une entrée qui est le journaliste et la sortie qui est le lecteur. On produit, il consomme. Et là, ça ne suffit pas, ça ne marche pas, et ça ne nous permettra pas de survivre. Aujourd'hui, on veut rentrer dans une autre relation avec notre lecteur, c'est-à-dire l'écouter, l'entendre. On a lancé des questionnaires, notamment des grands questionnaires pour très longs et très denses auxquels beaucoup de gens ont répondu en fait, pour savoir quelles sont leurs attentes, créer du lien, créer des services et raconter des histoires qui sont celles de l'actualité, mais aussi raconter des histoires qui sont celles de l'Orient, comment vit la rédaction, quels sont les challenges auxquels nous sommes confrontés, etc., etc. Et on se rend compte que ça fonctionne. Alors derrière, il y a beaucoup, il y a une grosse machinerie de transformation numérique
et d'analyse vraiment de toutes les données dont on dispose. Mais à la fin, c'est vraiment nous qui racontons des histoires et qui créons un lien en dehors de tout numérique, enfin, qui est un lien vraiment organique avec cette communauté de lecteurs autour de nous et avec nous surtout. Qu'est-ce que ça a de nouveau au fond? Parce que cette recherche des réactions des lecteurs, de ces attentes, c'est pas parallèle, c'est pas né avec le numérique. Ça existait bien avant. Il y a beaucoup de journaux qui essayent justement de faire connaître, de connaître eux-mêmes, mieux quelles sont les attentes des lecteurs, comment ils réagissent aux articles, etc. Alors, ce qui est formidable avec le numérique, c'est que maintenant, on peut. Avant, bon, vous avez vos journaux de papier, vous le produisez, vous le vendez, vous savez, vous avez deux canaux de diffusion qui sont le kiosque et les abonnements, grosso modo. Donc vous savez combien de personnes achètent en kiosque, vous savez combien vous avez d'abonnés, vous savez à peu près dans quelle ville, puis grosso modo, ça s'arrête pas. Ça s'arrête là. Vous ne savez pas combien de personnes vont lire la rubrique politique, combien de personnes vont lire la rubrique société, combien de temps ils vont passer à lire le journal, tout ça, on ne savait pas. Maintenant, avec le numérique, on sait tout, grosso modo. On sait tellement tout qu'on sait trop. Et donc c'est un vrai chantier de recevoir, déjà de recevoir des données propres, de les rassembler dans un système cohérent, et ensuite de se poser les bonnes questions, parce qu'il y a vraiment un paquet, et d'en tirer les bonnes leçons derrière. Mais aujourd'hui, moi typiquement, je peux savoir combien de lecteurs me lisent au Liban et à l'étranger, à quelles heures ils me lisent plus qu'à d'autres. Sur tel article, je peux savoir combien de lecteurs sont allés directement sur le site, combien viennent des réseaux sociaux, combien viennent du newsletter qu'on a envoyé, combien viennent d'une alerte, notification ou mail ou machin, etc. Donc on a toutes ces informations. Donc la relation entre nous et le lecteur à la fin a radicalement changé. Elle a peut-être changé ou pas changé, mais en tout cas aujourd'hui, on a beaucoup d'informations pour comprendre comment les gens nous lisent ou ne nous lisent pas, à quel moment, dans le train, dans chez eux le soir, le matin, etc. On peut tout savoir. Donc à partir de là, il y a beaucoup, ça nous permet en tout cas, enfin c'est ce qu'on veut, de créer une relation plus appropriée avec eux. C'est-à-dire que si on peut savoir à peu près aujourd'hui, il y a tout ce paquet de lecteurs. Ils lisent plutôt le week-end et plutôt des formats longs et plutôt de la culture. Ok, très bien, on va leur développer des newsletters, etc., qui sont plus sur les formats longs, sur la culture et tout. Donc, répondre plus, ne pas les considérer comme des lecteurs comme ça, mais quasiment comme des personnes uniques à qui on propose un produit, une production unique, adaptée exactement à leurs besoins, à ce qu'ils veulent, etc. Merci pour le moment. Je me tourne vers vous si vous souhaitez intervenir. Bien entendu, vous pouvez le faire à tout moment. Je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un atelier. Donc, c'est tous ensemble qu'on examine ces différents projets, plus que projets, organisations aussi éditoriales, mais qui sont un peu toujours en devenir. Oui. J'ai une question au sujet des articles que vous mettez en ligne. Est-ce que dans le futur, vous avez l'intention de passer en tout payant? Alors dans les jours, on parle. Là, on a un système, on shift un peu, on a un paywall flexible, donc il y a un certain nombre d'articles, on a un data wall, donc il faut passer par nous pour le vocabulaire en anglais, mais on a un premier barrage dans lequel la personne doit enregistrer son mail, et ensuite elle a encore accès à trois articles, et après elle heurte un mur où là il faut s'abonner. Mais parallèlement à ça, on est en train de tester autre chose qui est carrément des articles complètement fermés, un peu comme Le Monde, un peu comme Le Figaro. Et là, c'est exactement ce que je disais, c'est que maintenant, on teste des choses, on voit comment ça se passe. Nous, on a besoin, on a un système qui fonctionne sur les abonnements. On a nos actionnaires et les abonnés. Pourquoi? Parce que tout le reste, c'est de l'argent qui a toujours à un moment un peu... peut avoir un poids derrière sur notre indépendance. Donc les deux canaux propres, c'est les actionnaires et les abonnés. Donc on travaille beaucoup à augmenter notre base d'abonnés. Donc là, il est possible qu'on passe vers un système avec des articles complètement verrouillés, qu'on sorte du PRO flexible et qu'on voit ce que ça donne. Mais il y aura toujours du contenu ouvert à côté. Et alors, par contre, à Cosmos et à Business, vous n'avez pas de diffusion payante, vous diffusez de façon ouverte. Donc, comment on peut les utiliser ? Nous, ça ? Oui. Je pense que
la réalité du média et que une conquête média et que le modèle économique est une quête permanente, en tout cas l'équilibre, pour atteindre un certain niveau d'équilibre. Et nous, à notre niveau, on essaye plusieurs choses. Oui, l'accès est totalement gratuit, mais on essaie de développer surtout des offres, des services que nous offrons qui peuvent être déjà, en plus de tout ce qu'il y a comme production, on fait aussi qu'on fasse des publics reportages qui sont des productions facturées aux clients, qui est une source d'entrée. On essaie aussi de vendre des services en termes de mise en relation, parce que on a beaucoup de demandes donc, de mise en relation entre des gens qui voient les reportages, qui souhaitent donc pouvoir poursuivre la discussion avec un tel ou tel entrepreneur. Nous essayons d'assurer justement cette mise en relation, mais qui est accessible de façon payante. On développe aussi des formations qui est quelque chose dont on a pu constater beaucoup plus en termes de demandes. Et ça aussi, c'est des choses pour lesquelles donc, l'accès est payant. Et on essaie plusieurs choses. Là, on est en train de travailler sur un projet. Quand on regarde, par exemple, ce qui est important avec Internet, c'est qu'on arrive à collecter énormément de données qui permettent donc de voir quels sont les orientations, comment déjà, par quel canal, quels sont les mots-clés qui permettent donc aux internautes, souvent au niveau, surtout d'atterrir sur nos plateformes. Et si on regarde ce que les gens recherchent le plus souvent sur Internet, c'est autour donc, de l'élevage de la volaille, l'élevage du porc. Et là, on est en train de développer, on est en train de travailler sur un projet qui porte sur l'agriculture, mais les erreurs du débutant, qui est plus un regard journalistique, des analyses, des anecdotes, des gens qui sont déjà dans l'activité, mais qui racontent quelles sont les erreurs qu'ils ont commises au début et qu'ils auraient pu éviter. Et ça, c'est quelque chose qui va se décliner à la fin comme une sorte de guide, un petit livre accompagné donc d'une vidéo et qui va aussi être un produit que nous allons vendre. On essaie de développer autant de choses comme ça qui permettent justement de pouvoir faire des entrées en plus, voilà, la monétisation sur Internet, mais qui rapporte pas quelque chose de condamné, mais qui quand même qui permet par exemple de payer les loyers pour le bâtiment occupé donc par l'équipe. Il y a autant de choses qu'on essaie de développer et je pense que comme je dis, quand on regarde un peu les tendances, pour nous la principale chose dont on a besoin c'est véritablement le temps. On est là depuis 2016 et on voit là où on en est arrivé. Si on arrive à développer encore, à maintenir la cadence pendant 5-10 ans, on peut arriver à un niveau qui permet de créer cet équilibre économique pour continuer à développer surtout le côté éditorial. Et peut-être mentionner aussi que nous fonctionnons sur la base de projets éditoriaux. Donc, un projet éditorial. Donc, chaque 3 ans, on élabore un nouveau projet éditorial qui définit les grandes orientations et surtout l'organisation du travail, qui permet aussi qu'on essaie de chiffrer sur les 3 ans, on sait à peu près ce dont on a besoin, et qui permet aussi de miser sur tout ce qu'il faut pour collecter justement ces ressources-là. On est en train de développer notre 3e projet éditorial qui va couvrir 2023-2026 et qui, l'un des axes, par exemple, il n'exclut pas d'arriver à créer une chaîne sur la TNT qui va permettre de toucher une autre frange donc la cible qui est beaucoup plus en zone rurale ou qui n'a pas forcément accès un accès permanent à la connexion Internet. Ce sont des axes de réflexion du développement que nous initions et que nous actualisons chaque 3 ans qui permet justement de réorienter surtout l'offre éditoriale. Mais on se dit surtout, on reste concentré sur le fait que la clé va être et demeurera l'offre que nous proposons sur le plan éditorial. C'est ça qui va permettre aussi d'avoir une certaine crédibilité et de pouvoir surtout espérer mobiliser davantage de ressources pour continuer à financer justement ce travail. Au fond, permettre la réflexion autour des questions du développement agricole de façon générale en Afrique,
et notamment chez les jeunes, qui vont peut-être, éventuellement, en tout cas, vous espérez s'investir dans ce secteur sur le plan économique, qui est un besoin fondamental pour les différents pays. Est-ce que ça apporte, par exemple, une aide officielle, une contribution institutionnelle aux médias? Est-ce que vous avez des concours nationaux, du budget de l'État? Alors, il y a justement ces possibilités à la fois au niveau national comme international. Il y a des compétitions, il y a aussi souvent des grants qui sont qui ont toujours une orientation particulière. Et nous, quand c'est quelque chose qui rentre avec le projet, ça ne nous gêne pas de se proposer un sous-projet et puis espérer justement avoir ces ressources pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais par contre, on les évite, tout comme par exemple les subventions publiques, parce que c'est quelque chose qui amène toujours vers une orientation et on passe le temps à tanguer de gauche à droite pour justement rentrer dans le cadre, parce que chaque appel, chaque subvention a une orientation spécifique. Et si on veut justement y rentrer, il faut parfois sortir de son propre cadre et aller de gauche à droite, c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait confortable en termes de travail. Donc vous vous en méfiez pour des raisons déontologiques? On s'en méfie pour des raisons à la fois déontologiques mais aussi pratiques. Parce que moi, j'ai pas forcément envie de mettre mon énergie à courir après ça. Je préfère rester sur des choses que je teste et dont je vois le potentiel et aller déjà explorer cela déjà jusqu'au bout avant justement de pouvoir en tirer les leçons. Donc oui, peut-être au passage aussi, il y a par exemple, je ne sais pas si ça se fait encore, il y avait le prix francophone de l'innovation dans les médias qui est organisé par l'OIF, RFI et puis le Reporters sans frontières. En 2017, on a eu la chance donc, de remporter le premier prix avec Agri Business Day, qui sont des occasions comme ça, à la fois de reconnaissance, qui réconforte l'équipe à l'interne malgré les difficultés et qui rassure, mais aussi qui peut justement permettre d'avoir un nouveau souffle pour continuer le travail. Je vais vous donner la parole, l'avocat, mais j'ai juste deux questions pratiques à poser à Youssa. Le modérateur a posé la première, c'était sur les aides institutionnelles que pouvait percevoir son entreprise. La deuxième question, c'est de savoir si vous avez des actionnaires privés. Alors, là, en ce moment, c'est porté par... Par deux actionnaires, mais là nous avons commencé depuis le début de l'année un travail avec un programme d'investissement qui s'appelle Investisseur Partenaire, qui est porté avec, qui a été créé par, en fait, par l'ancien, par un ancien directeur général de l'AFD. Donc eux, ils sont intéressés par notre projet et donc ils nous accompagnent avec la possibilité justement de rentrer dans du capital pour permettre de tester toutes les idées que nous avons. Et ils prennent des parts et ils peuvent rester à un maximum 5 ans et après ils se retirent. Donc il y a ces possibilités-là. Il y a bien d'autres possibilités sur lesquelles, comme je l'ai dit souvent, moi je suis plus à l'aise de tester les choses avec mes propres sous, parce que je ne suis pas sûr que si ça va revenir ou pas. Et c'est un peu le schéma pour lequel il y a une certaine, pas de la méfiance, mais un peu de la prudence, parce que on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de quelqu'un. Donc on peut se permettre de faire ce qu'on veut avec ses propres sous. On essaye ces choses-là et quand on arrive, justement on est arrivé avec investisseurs et partenaires. La discussion a commencé depuis 2017. Et c'est seulement en fin de 2022 qu'on leur a dit qu'on commence à voir le bout du tunnel, on commence à avoir quelques briques de réponse à nos questions et on estime en fait que le potentiel est réel. Et on a commencé la discussion et voilà, pour aller justement vers la signature du contrat, d'un premier contrat en octobre 2022. Et ce sont ces choses-là que nous essayons. Merci. Mabrouka, à qui j'ai promis la parole d'abord. Mais sur la question de cet équilibre économique, comment est-ce que vous faites au fond pour vivre, puisque j'imagine qu'il n'y a pas non plus de concours de l'État en Tunisie. Là, je fais un peu plus qu'imaginer parce que je le savais. Mais alors comment vous faites? Parce que c'est compliqué quand même d'équilibrer. Vous avez des bénévoles, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pas que. Et il faut aussi pouvoir produire et par conséquent avoir un minimum de ressources. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais vous raconter comment j'ai transformé Cosmos en un média.
Moi, j'ai travaillé 2 ans dans un média privé, une radio privée, en bénévolat, seulement parce que j'avais besoin de communiquer et de travailler sur une nouvelle conscience environnementale dans mon pays. Parce que moi, je crois que mon fils va souffrir lui-même des problématiques environnementales qui restent là où il y a un manque de couverture médiatique dans nos médias qui sont basés sur plutôt des pratiques commerciales plutôt que des causes comme l'environnement. Et donc j'ai travaillé 2 ans en bénévolat sans un sou. Et ils ramènent des journalistes qui font un contenu médiocre, ils leur donnent des milliers de dinars par mois. Et j'ai dit, soit vous me payez, j'ai demandé quelques sous en fait, pas beaucoup, mais ils ont refusé. J'ai dit, tiens, pourquoi je travaille pour les autres, je travaille pour moi-même et je transforme mon émission en un média. Et comme ça, je peux avoir beaucoup plus du temps pour traiter les sujets parce que j'avais seulement 1 heure par semaine pour travailler sur l'environnement. Et j'étais un peu pendant les heures du week-end, là où il n'y a pas vraiment une audience énorme. Et à ce moment-là, j'ai dit, je dois vraiment chercher des moyens pour que je puisse commencer. Et là, je me suis orientée vers des projets green. Par exemple, on a été adopté et logé chez un coworking space écologique. Nous, on communique sur eux parce que ce sont vraiment des gens qui travaillent sur tout ce qui est green. Et nous, on est logé chez eux. Et comme ça, je peux vraiment diminuer les coûts et les dépenses de la location d'un endroit où on peut travailler. Pour l'agence de communication digitale, nous aussi, on leur rend des services, la photographie, la couverture, par exemple, en vidéo, puisque moi, je gère une société de production. Donc, eux, ils nous donnent le service de la communication digitale. Et nous, s'ils ont besoin d'un caméraman ou un photographe, on leur fournit aussi le staff. Et après, on a aussi des partenaires comme la Deutsche Welle Academy qui nous a aidés, par exemple, pour le lancement et pour l'événement de lancement qui a duré toute une journée avec beaucoup d'actions.